Et chut, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Je viens de faire une grosse connerie. Bonjour et bonsoir tout le monde, c'est Speedbroken et aujourd'hui on est en compagnie de. On est une HD. T'as les voir alors? Et. Le savant Creeper, voilà. Et on va faire, vas-y, mais je te laisse Bah, on va faire un Fallen Kingdom. Donc, pour ceux qui connaissent, à la base, c'est sur PC, mais j'ai trouvé une map pour la Xbox. Donc, je vais vous lire les règles pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, les règles. Du premier jour Minecraftien jusqu'au cinquième jour, il n'y a pas de PVP, donc si on se croise, on se tape pas. Du cinquième jusqu'au huitième jour, je croise Dylan dans la forêt, j'ai le droit de le taper, comme ça. Ouais, t'es pas obligé, on a compris ce que c'était. Et, et si c'est jour 8 ou plus, on peut attaquer les bases. Mais on doit faire des objectifs. Mais avant, il faut trouver la salle d'école des adversaires et y être avec toute son équipe. Genre, par exemple, imaginons Tony et moi, on est ensemble. Et ben, il faut qu'on trouve la base de Dylan et qu'on soit tous les deux dedans. Donc, comme ça, c'est clair. Après, il faut pas poser des blocs en dehors de la base, à part la TNT, les torches et les panneaux. Les objectifs doivent être obligatoirement faits avant de pouvoir attaquer les bases adverses. Alors, la salle des coffres doit être un minimum accessible, pas de lave dans la muraille. Pas le droit de casser la muraille adverse, sauf avec de la TNT. Jetez votre carte dans la lave derrière vous, bon ça on l'a fait en off. Voilà. Les objectifs, créer une muraille de 5 cubes de hauteur minimum. Construire la salle des coffres. Construire une tour de 10 cubes de diamètre, donc 10 x 10 x 10 x 10. Rapporter sur le totem dans la tour centrale, il faut rapporter un cube des sables des âmes, le soul sand, un cube de fer et un bloc d'obsidienne. Il faut faire un champ de pastèque. Voilà pour les objectifs. Et les créateurs, c'est Nexo et Corum. Gros plan. Oh oui. Et cacao et cacao rhum. Cacao rhum. Yo cacao rhum. Bah, c'est là, cacao rhum. Bon, du coup, les équipes sont composées de Oni Link et Tony Warrior et de moi-même avec Savant Creeper. Et là, on va choisir nos couleurs. Vas-y, Tony, vas-y, Tony, vas-y, choisir. Équipe bleue. Vas-y, ouais. Savant Creeper, je te laisse cet honneur, vas-y. Rouge, moi, bordel. Équipe rouge, bon, ben voilà. Bon, bah alors, venez, on va vous montrer comment aller. C'est dégueulasse. Quand on sera dans nos bases, on ira dans un chat. Bon, je compte sur toi, Savant Creeper, pour nous aider. Parce que je connais pas trop. Je compte sur toi pour la salle des coffres. À part enlever le minecart là-bas, hein, parce que dalle, va te faire foutre. Ouais, parce qu'après on repart. Et c'est là que je me suis fait. Ça y est, j'ai encore le. J'ai encore bugué. Moi je suis en train de voler. Et je on t'entend. On t'entend. Le minecart, tu veux pas bouger, c'est quoi? Les gars, posez le minecart dans le coffre. On t'entend avec ta voix Skype que ça fait que tu bugs. Tony on est l'équipe bleue, c'est. Ah, mais Skype c'est normal, j'ai pas beaucoup de connexions, mais sur Minecraft, à un moment j'en ai plus. Tony en fait. Ah, regarde où elle est notre équipe bleue, Tony, viens voir. Attends, t'es où toi? Ah, t'as pas remis ton skin, Dylan. Voilà, Tony, tout au bout là-bas, ouais, derrière la tour. Derrière la tour, je sais pas si ça s'est généré chez toi. Non, pas encore, c'est en train. Bon, bah vous êtes prêts, les gars, ou on va sur chacun ouais. Sur son chat Skype? Ouais, donc je vous vire de l'appel. Bah ouais, bah oh. Oh non. Je vous dis à tout de suite. Vas-y, Tony. Oh non. Je te rappelle. Invitez-moi à part. Mais non, mais toi tu vas être avec Dylan. Invitez-moi sur le truc. T'en pas, t'es invité à part. Invitez-moi sur le truc parce que ça a encore planté. Ça m'a refait tomber dans un bug de. Ah, sur la Xbox, bah quitte le truc, je t'invite. Quitte le serveur où je t'invite. Je peux pas l'inviter à un jeu parce qu'il est encore dans le jeu. Et voilà, et donc là, on est de retour. Voilà, donc en chat séparé, on est juste tous les deux. Voilà. C'est toujours plaisir, il faut que je ravite. Ça va, Creeper. Inviter un groupe et un jeu. Voilà. Bon, bah, t'es prêt parce que tu me suis parce que là-bas, il y a que moi qui l'ai vu, quoi. Ouais. Plouf. Essaie de pas te foirer parce que ça marque un peu la honte, quoi. Non, t'inquiète. Voilà, bon, viens. C'est derrière la tour, bon, on a un peu le truc de merde, mais eux, ils ont l'équipe rouge et celle où t'étais tout à l'heure. Ouais, ça me dégoûte. En plus, j'étais bien et tout. J'avais fait des bons trucs ah, et viens. Tout. Il y a des pastèques là. Viens, on les récolte. Ah ouais. Donc, on a l'avantage déjà. Ouais. On a l'avantage, on peut pouvoir faire le champ de pastèque. Voilà, donc déjà les gens, un petit avantage comparé à eux. Viens, go, 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 on fuit. Voilà, donc faut passer par là et la base est tout droit en théorie. Bah voilà, elle est là notre base. Oh, c'est pratiquement du terrain plat. Oh, on a deux, un ou deux trucs à aplanir, regarde. Oh, on a aplani un ou deux trucs. Parfait. On ah a ouais, la je sens que ça va être pas mal. Ah ouais, et alors là en plus on a un petit lac gelé. Et donc les gens, là, on fait le drapeau, la fin. J'ai de la canne à sucre. Je prends. Déjà bah ouais, oh trop cool, il y a de la flotte, du coup on va pouvoir faire passe. Faire pêcher. Ouais, pêcher, faire des patates et tout là. Bah les patates, les pains là.
Ouais, le... Ah, les pastèques. Non, le pain, j'ai dit. Ouais, le pain, mais déjà, il nous faut du blé brevet. Au pire, on va casser du bois. Oui, moi, je casse du bois. Je casse du bois. Moi, au pire, je vais m'occuper du terraforming, ok, avec genre le minage de pour la miraille. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller miner pour chercher les premiers matériaux qu'il nous faut. Pour la pierre. Ouais, charbon, tout ça. Ouais, ouais, c'est les conneries du style. Alors, je vais me faire directement du bois. Alors, ça, ça. Je pose l'atelier en plein milieu. Comme ça, au moins, c'est pratique. Ouais, pose-le à côté du truc bleu, là, voilà, tu le... Araignée, araignée, araignée. Elle veut quoi? Elle veut quoi, elle? Il faudrait qu'on ait des lits. Attends, j'ai attaqué. Bah, dis-moi qu'on ait un lit. Bah, c'est mais il fait jour, donc ça veut dire que là, le premier jour commence. Yes, elle prend cher, hein. Ah, vachement. Bon, on a du fil. Oh, attends, t'as du fil? Oh, on va pouvoir faire des cannes à pêche. Attends, t'en as combien? Un seul, malheureusement. Merde. Bon, il en faut deux. Bon, viens, on commence à faire un coffre déjà. Comme ça, on sait qu'on est établi. C'est bon, j'ai fait le coffre. Fais pas de coffre. On le pose là pour l'instant. On va pouvoir poser ce qu'on a. Donc, c'est bon, j'ai posé ce qu'on a. Attends, voilà. Je me dis qu'en fait. C'est donc. Merde. Attends. Tu voudrais pas me passer la pioche et tu te fais une pelle comme ça, tu fais un farming et moi je vais chercher de la pierre. Ah oui, bah oui. Je suis con. Mais va me chercher vite la pioche, enfin de la terre, enfin. Tu m'as compris quoi. Et voilà, je t'ai compris, t'inquiète pas. Tiens, je te fais une pelle. T'es où? Bah, oh, bah merde, t'en avais déjà une. Bon, bah c'est pas grave, moi j'en ai deux. Puis... Je la fais où l'entrée de la caverne? Vers là-bas dans les arbres, comme ça au moins ça se voit pas. Ouais, mais on va devoir peut-être poser des blocs, donc moi je propose qu'on la fasse ici là pour l'instant, là, genre là. Ouais, mais pas dans la base, ça le fait pas. Bah si, on est dans la base là. Oui, mais ça le fait pas dans la base. Bah si, c'est un peu obligatoire parce qu'après on va devoir poser des cubes et tout. Ah ouais, bon bah, vas-y, mais fais pas trop. Arrive dans la... Donc attends, la base, je la fais plat à ce niveau là où on est maintenant ou... Attends. Ou au niveau où il y a la barrière. Déjà, dégage ça, les deux cubes qui sont là et on verra après au pire. Non mais genre du coup je... Alors, regarde, en fait on va faire ça, regarde où je suis là, viens voir. Attends, deux secondes. On va le faire à ce niveau là, cette couche. Parce que c'est, je trouve que c'est le mieux. On va le faire à cette couche là. Ouais. Bon voilà, bon moi j'ai miné un petit peu. Du moins si t'as besoin de pierre ou de quoi que ce soit. Bon j'espère les gens qu'on va être chanceux au niveau des minerais. Ouais, ça dégoûte parce que tout à l'heure j'ai été. Ouais, tu savais où c'était quoi. Ouais, j'ai trouvé une énorme grotte et tout. Bon. Ouais, bah c'est un petit peu mieux que ce soit pas ça parce que sinon ils seraient dit pourquoi on mine là et tout. Ouais, c'est sûr. Putain, j'ai déjà perdu 4 trucs de bouffe. Oh. Non, moi juste un, ça va. J'ai trop sprinté. Ouais, j'ai pas sprinté du tout, attends, c'est pas fou. Bon, je vais miner un peu n'importe dès quoi. Dès que t'as un de pierre là, une cobble, tu me l'envoies. J'en ai 18 là en fait. Ouais, tu m'en envoies une, comme ça je me fais une pelle en. Ouais, je veux bien, tu peux venir si tu veux parce que genre je suis concentré à la mine en fait. Je suis concentré à la mine, attention. Tu descends un petit peu, tu verras les cubes par terre quand tu descendras. Moi je vais continuer à miner. Ouais, t'en as mis combien? Une dizaine par terre. Ça va. Ouais, tu descends dans la caverne quoi. Ouais, la caverne, bon, hein, la mine quoi. Le début. Voilà, c'est ça. Ah, franchement je trouve que c'est mieux à 4 quoi, parce que genre quand tu le fais juste à 1 contre 1 ça le fait pas. Ouais c'est sûr, tu peux faire un chat c'est pareil. Donc ouais. Là tu vois on peut faire avec pas qu'il y aura pas de triche. Ouais. Je crois qu'il y aura pas trop de triche au niveau du. Bah en fait le truc c'est qu'il faudrait pas que chacun regarde la vidéo, tu vois. Oui bah personne ne regarde la vidéo de là c'est sûr. En même temps moi je dis, viens ce qu'on fait, on tourne tout et on upload les vidéos dès qu'on a fini au pire. C'est le mieux je trouve. Comme ça il y aura pas de spoil. Ouais mais non quoi. Donc attends j'arrive. Ouais descends. Mais fais gaffe je sais pas si ça va des pop ou pas en fait. C'est bon. Je sais pas à quelle couche je suis là, y'a que la carte qui peut permettre de savoir à quelle couche on est. Oh je trouvais le Kevin, elle est immense. Trouvé. Ah ouais. Ouais. Il faut une nouvelle pioche et on pourra y aller. Ah Kevin trouvé Tony, elle est immense. Hein. C'est du travail. Ouais. Putain, en plus, c'est quoi, j'ai 50 pierres taillées si tu veux pour commencer à faire la base. Ouais, bah vas-y, commence à les placer au pire. Bah, tu sais quoi, je vais te poser. Oh, au pire, laisse tomber, c'est pas grave, c'est moi qui vais faire la muraille. Tu
Tiens, je t'ai tout laissé dans. Si tu te demandes pourquoi c'est pas bien le. Tu peux me placer, c'est normal, t'inquiète pas. Je vais juste prendre un peu de cube parce que. Tony, je vais avoir besoin de toi. Tu vas te mettre là où je te dis. Tu me dis si je suis encore dans la base ou pas. Parce que je vais pouvoir savoir si je peux poser des blocs ou pas. Ok, alors attends. Alors attends, je descends. Est-ce que. Je fais gaffe, pas tomber. Est-ce que là je suis encore dans la base? Enfin, tu veux dire la même hauteur quoi? Enfin, dans, non, non, dans le rectangle. Est-ce que je suis encore dans le carré de la base? Je vois même pas ton nom. Ah, moi je te vois. T'es où là exactement? Au milieu de là où je suis maintenant, là, c'est là où il y a le poteau là avec le drapeau. Bah, c'est bon, je suis encore sous la base, ça passe, c'est bon. Oh putain, il y a un squelette, il m'a enlevé 3 sur même coup. Bon, je suis en train de faire un petit chemin d'accès. Je vais aller miner du fer si j'en trouve. Bah, oublie pas d'avoir une cache en pierre. Tu sais qu'elle je m'en suis fait, c'est pour ça que je t'ai pris trop pierre et que c'est le bordel. Putain, elle est immense la caverne. Oh putain, mes cœurs. Je remonte. Moi, c'est un demi-cœur. Bah, au pire, c'est pas grave, tu vas trouver et puis. Bah, je vais trouver, j'ai pas conçu du stuff. C'est ce que tu vas faire? Ouais. Putain, y'a un mec qui a rejoint. De quoi? Quitte tes groupes, voilà. Y'a un mec qui a rejoint. Mon groupe d'amis. Qui était pas de là. Bon! Tony, tu sais quoi faire? J'ai tout posé dans mon dans le coffre et tu vas me buter. Ouais. Mais au pire, tu veux pas qu'on attende qu'il y en ait un petit mouton? Fous-moi un coup. Ah ouais, merde, ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais en même temps, j'ai pas trop de gaspiller la bouffe, quoi. Non, ouais, mais t'as... tu la gaspilles pas, mais genre, normalement, il te restera un cœur, quel poil. Et donc, normalement, un mouton, vu que c'est inoffensif à la base, normalement. Ouais, mais. Tu sais qu'un jour ça fait un épisode. Hein. Ah ouais? Un jour Minecraftien égale un épisode. Donc ça dure 26 jours, il y aura 26 épisodes. Ah quand même. Oh, voilà, bah il faudra qu'on aille le dire à nos adversaires. Attends, je vais essayer d'escalader pour voir par où on pourrait commencer à attaquer. Tu vois, je commence un peu à envisager le terrain. Ah, alors là, déjà j'ai un bon point de vue où on peut les sniper. À l'arc. Oh, j'ai un point de vue où on peut les sniper à l'arc, mais c'est violent. Bon, je vais aller voir près de chez eux s'ils ont pas un petit mouton. J'ai plus de bouffe, mais écoute, il me reste un demi-cœur. J'ai pas intérêt à me foirer à faire un saut un peu trop haut. Ils sont où? Ok, de haut. Il y a Savant Creeper qui est en train de puncher un arbre. Il punch un arbre, c'est. Ouais, bon. C'est dommage que ça fasse pas du dégât là, la boule là. J'aurais bien envoyé une boule de neige sur Dylan là. C'est dégueulasse. On va dans la base. Si j'en ai la base, on va me taper. Bon, nous on a la caverne déjà, Tony, je pense que là on est bien comparé à eux, là, ils ont même pas commencé, ils ont rien commencé l'aplanissage et tout. Ah mais ils sont cons, surtout en plus la bâche rouge, c'est, je trouve que c'était pas mal parce que vu qu'il y avait quasiment rien aussi à planir, c'était pas mal quoi. En fait la rouge et la bleue c'est la meilleure quoi. C'est ça. C'est bon. Putain mais y'a aucun mouton quoi. C'est raciste le jeu. Ouais, je suis en mode terraforming. Ah bah vas-y. Bon après dès que t'auras cassé les blocs là quand je suis parti, tu t'appliqueras le reste ou même tu crois que je peux casser les blocs de laine de des autres équipes vu qu'il y a personne, j'ai le droit. Ça te sert à quoi? Bah pour faire au moins un lit quoi. Je sais pas, je vais casser les blocs de l'équipe jaune au sens je peux casser, c'est toi, c'est en dehors de la base, on peut casser, on peut pas poser mais on peut casser. Ouais mais bon, dans un sens. Bah écoute, c'est bon. On va s'en demi-cœur, puis on va pouvoir dormir. Bon, j'arrive. Tant bien que mal. Bon, ils, vont, ils vont voir dans un lit, ils vont se dire what. Bah écoute, on se fera crafter un lit. Hein. Bon, la laine, on devrait la prendre. Moi, je dis ça en dehors de la base. Tant qu'il y avait quelqu'un qui l'utilisait encore. Il n'y a personne. Hein. Au pire, ils iront sur la base de l'équipe. Hein. Ah, c'est bien. Là, ça ressemble à quelque chose. Là, on se gave la tenue. Alors là, on a bien commencé. Mais c'est voilà, ce que c'est bien là. Ce que je veux dire, c'est qu'on pose de la cobble pour pas qu'il vienne nous espionner en fait. Genre qu'il y ait quand même un début de muraille. Faut pas qu'il vienne oui, voir. Bah oui, bah justement, donc là maintenant faut que t'ailles miner à donf là. Attends, t'as du bois? Oui. T'es où? C'est bon, j'ai le lit. T'as le lit déjà? C'est bon, j'ai le lit. On peut dormir que la nuit, dommage. Bon bah écoute. C'est ce qu'on va faire, on va faire un gaz.